J'exerce le métier de cueilleuse de plantes sauvages depuis 7 ans. J'ai toujours eu un attrait pour les plantes. J'ai fait une formation d'herboriste pour compléter en fait les connaissances au niveau plus botanique. La base de la cueillette, c'est vraiment la recherche de sites et d'avoir vraiment une multitude d'arbres pour avoir un impact vraiment minimum. On essaie de laisser un roulement tous les 2-3 ans, que l'arbre ait le temps de souffler un peu. Je suis labellisée bio, donc c'est ramassé dans des sites exempts de toute pollution, des sites vraiment préservés. J'ai pas de terrain, donc c'est de la cueillette en pleine nature. Au printemps, c'est vraiment l'explosion de l'arbre. C'est un instant que je trouve juste magnifique et chaque arbre a ses spécificités. Chaque bourgeon est différent. La collecte du bourgeon de tilleul, finalement, c'est une succession de bons moments. Au printemps, on assiste à toute la magie du cycle des saisons. La vie reprend. Les bourgeons sortent de leur dormance hivernale, se nourrissent d'une sève brute, riche en minéraux et nutriments, et se gorgent de molécules actives spécifiques. C'est le bon moment pour la collecte par nos cueilleurs. L'instant idéal où s'opère l'activation de cette biochimie aussi complexe que précise et séquencée. Afin de figer cette composition phytochimique éphémère, jusqu'au moment de l'extraction, les bourgeons sont congelés directement après récolte. Les enzymes de dégradation sont inactivées, les molécules actives préservées de l'oxydation. Différentes analyses sont menées par nos chercheurs en laboratoire afin de vérifier la qualité des bourgeons et s'assurer de la préservation des molécules actives. Ces étapes assurent la disponibilité de bourgeons riches en actifs tout au long de l'année. Pour la production de l'actif tilicine, une extraction par macération aqueuse des bourgeons est réalisée pour en soustraire un complexe riche en polysaccharides acétylés propre à la variété de tilleul Tilia tomentosa. L'étape de congélation des bourgeons aide à l'extraction, favorisant l'éclatement des compartiments cellulaires et la libération du complexe actif. Progressivement, l'extrait s'enrichit en polysaccharides, lui conférant une texture unique, filante et très filmogène. L'extraction se termine par une étape de clarification permettant de récolter l'extrait actif de bourgeons de tilleul. De multiples analyses sont ensuite menées en laboratoire afin de caractériser l'extrait, vérifier sa teneur en molécules actives par dosage et assurer sa qualité. Ces étapes successives garantissent la production d'un actif à l'efficacité prouvée et reproductible. Une série d'études scientifiques a permis de montrer les propriétés bénéfiques de tilicine pour les cheveux. Hautement filmogène, les polysaccharides acétylés vont lisser la fibre capillaire et la protéger. Pour des cheveux hydratés et brillants, signe de bonne santé. Ainsi, savoir-faire traditionnel et expertise scientifique s'allient pour restituer toute la force constitutive des bourgeons de tilleul sous la forme d'un ingrédient actif titré et à l'efficacité prouvée, avec en commun un profond respect des cycles de la nature. J'anime l'association interprofessionnelle de l'Agence Yann Jaune, qui est née en 2014 et qui est issue d'un projet plus vaste, la mission pour la gestion durable de la ressource gentiane dans le Massif central. La gentiane, elle est essentiellement récoltée pour ses vertus apéritives et digestives, mais c'est aussi une plante qui a plein d'autres vertus, c'est une réelle plante médicinale et donc qui va intéresser de plus en plus l'industrie des compléments alimentaires, l'industrie de la cosmétique. En 2015, on a édité la première version du guide de bonnes pratiques de production. C'est un outil qui s'adresse à toutes les personnes, à tous les maillons de la filière. Depuis 2020, on travaille sur une marque collective gentiane durable et cette marque collective se base sur trois grands principes, c'est la gestion de la ressource, l'équité sociale et la valorisation économique.
les indicateurs d'une gentiane prête à être exploitée. Ça va être la taille de la touffe de gentiane, la forme des feuilles, un peu gaufrées, bien charnues, le fait que le plant est potentiellement fleuri. Donc ça, c'est un indicateur de l'âge de la racine. L'arracheur, traditionnellement dans le Massif central, travaille avec une fourche du diable. Une parcelle de gentiane peut être plus ou moins importante. On prélèvera d'abord une partie, puis l'année d'après, le chantier se poursuit. Plus loin, il y a une forme de rotation en fait, qui se met en place. Et de toute façon, on ne repassera pas là où l'arrachage a déjà eu lieu avant une vingtaine d'années. Sous la surface du sol, la gentiane déploie un système racinaire impressionnant, pouvant atteindre jusqu'à 7 kg. Les racines concentrent des molécules actives recherchées par les industries de la santé, comme les principes amers, par exemple le gentiopicroside, aux propriétés stimulantes de la digestion et de l'appétit. Pour le développement d'un extrait purifié de racines de gentiane, les chercheurs de GreenTech procèdent à une sélection rigoureuse des racines. Cette exigence a permis à la recherche et développement GreenTech d'obtenir un extrait purifié avec au minimum 65% de gentiopicroside par rapport à la matière sèche. Une telle concentration est permise par la mise en œuvre d'étapes successives qui ont fait l'objet de validations. Une extraction hydroalcoolique, suivie d'une concentration de la fraction aqueuse, puis d'une purification sur colonne. Une série d'évaluations sur cellules cutanées et sur explants de peau ont permis de révéler les activités biologiques de l'actif. Une étude clinique a confirmé les observations faites au laboratoire. La valorisation de la gentiane pour des applications en santé, telles que le soin de la peau, requiert ainsi une gestion raisonnée de la plante avec des pratiques de cueillette durable réalisées par les gentianaires. C'est un véritable partenariat valorisant un savoir-faire traditionnel et valorisant également l'expertise en phytochimie des équipes travaillant en laboratoire. Je m'appelle Elisa, j'ai 24 ans. Ça fait 2 ans que je suis à la tête de l'entreprise agricole de la serre de Cruas, qui se situe en Ardèche, près de Montélimar. La serre dans laquelle nous sommes aujourd'hui a été achetée par ma famille il y a 10 ans, dans le but de créer une centrale photovoltaïque. Nous avons décidé de se lancer dans le système d'agroforesterie, avec des arbres de yuzu pour commencer et des plantes aromatiques et médicinales que nous connaissions, principalement de la verveine citronnelle, du géranium bourbon. L'agroforesterie, c'est une utilisation de la terre qui consiste à allier les arbres à une culture annuelle ou pérenne. Il y a une symbiose entre ces deux espèces qui se crée avec des bénéfices réciproques. Donc on a les arbres de yuzu et les verveines qui sont donc au niveau du sol. La serre fait 6 hectares d'un seul tenant. On a 3 hectares de panneaux photovoltaïques. Ces panneaux photovoltaïques sont mis en quinconce, ce qui permet de laisser passer la lumière et donc de permettre aux plantes la photosynthèse, mais de couper l'agression des rayons du soleil qui sont très très forts dans cette région du sud de la France. GreenTech est en partenariat avec la serre de Cruas depuis 1 an. Nous avons décidé de mettre en place un partenariat équitable selon le standard Fair for Life sur justement une première plante qui est le yuzu. Nous avons mis en place différents essais sur différents types de plantes, le pomelo, la chirette verte et la courge serpent. Nous faisons également des essais sur des plantes qui viennent par exemple d'Amérique latine, comme le physalis et différentes espèces de cactus.
Le challenge qu'on va avoir avec la mise en culture de plantes exotiques sous serre en France, c'est de pouvoir aussi maîtriser la qualité et la quantité de molécules actives que l'on recherche dans les dites plantes. Donc là, on s'en remet à notre partenaire, la serre de Cruas, pour maîtriser les itinéraires techniques qui vont encadrer cette mise en culture et assurer une qualité optimale pour les besoins de la recherche et développement de GreenTech. Le principal avantage de réaliser des essais sous serre, c'est que les conditions climatiques sont connues et maîtrisées. Par exemple, on peut jouer avec l'irrigation pour faire augmenter l'humidité dans la serre. Le taux d'ensoleillement par année, on le connaît plus ou moins, qui permet aux plantes d'être riches. À réception, GreenTech procède à différentes analyses. Par exemple, l'Andrographis paniculata, qui est une plante originaire de Chine que l'on a mis en culture cette année. Nous allons vérifier que l'espèce est bien conforme grâce à la chromatographie sur couche mince et l'HPLC pour pouvoir aussi confirmer la quantité de molécules actives d'intérêt. En validant ce nouveau sourcing, origine France, on va répondre à l'objectif de réduction d'impact carbone lié au transport de la plante, puisqu'on va donc lui éviter de parcourir 9000 km. Finalement, on va rapprocher la matière première végétale de son lieu de transformation, qui est GreenTech à Saint-Beauzire, au Massif central. Limiter l'empreinte carbone en développant des cultures exotiques géographiquement proches de GreenTech demande beaucoup d'attention et une fine connaissance du cycle biologique des plantes cultivées. La mise en place de telles filières requiert un partenariat étroit entre le producteur, l'expert de la physiologie végétale et l'expert de l'extraction. Ici, on est sur une parcelle d'un de mes collègues qui produit de la cameline pour la filière de transformation que nous avons créée avec GreenTech. Et on se situe à peu près à une trentaine de kilomètres du point où est transformée la cameline et à 30 km de notre client GreenTech. Les critères d'aide à la décision pour récolter sont essentiellement la maturité de la graine pour avoir une capacité à être battue d'une bonne façon, pour avoir un bon triage des graines et une pureté maximum, et un taux d'humidité le plus faible possible. Après, elle sera pressée, donc c'est une première pression à froid par laquelle on extrait une huile vierge. Ensuite, on la laisse décanter. La décantation, plutôt qu'une filtration sous pression, nous permet aussi de ne pas altérer les facultés de l'huile. Et après, elle est filtrée et conditionnée pour partir. L'ensemble des exploitations qui collaborent au projet sont en agriculture biologique, certifiées en commerce équitable, très recentrées sur l'Auvergne. Nous avons créé le collectif biodiversifié pour organiser la production de cameline. La cameline, sous la forme d'huile végétale, est destinée à l'alimentation quotidienne ou encore à la réalisation de soins nutritifs de la peau ou des cheveux. Les équipes scientifiques de GreenTech réalisent une batterie d'analyses afin de garantir la qualité des huiles et leur teneur en acides gras. L'analyse organoleptique ou encore une analyse de l'indice de peroxyde permettent de vérifier la qualité de l'huile. La réalisation d'une chromatographie gazeuse permet de quantifier de façon relative la présence des différents acides gras, comme les acides gras saturés ou encore les fameux oméga 9, 6 et 3. La composition en acides gras est déterminante pour la bioactivité de l'huile. L'huile de cameline est appréciée pour sa richesse en oméga 3, qui, en s'incorporant aux lipides des cellules, assouplissent la peau et augmentent son hydratation. Les oméga-3 modulent également les voies cellulaires de l'inflammation. C'est pourquoi GreenTech préconise l'huile de cameline pour la formulation de soins cosmétiques prévenant les signes de l'âge ou apaisant les peaux stressées. Vérifier la composition de l'huile est également déterminant pour ses propriétés sensorielles, chères aux formulateurs cosmétiques qui jouent avec les huiles végétales pour conférer aux émulsions et huiles de soins des touchés nourrissants ou bien secs et non gras.
de la culture certifiée bio et équitable jusqu'aux soins cosmétiques, du producteur jusqu'aux équipes scientifiques, c'est toute une succession d'étapes que GreenTech réalise selon des protocoles garantissant la traçabilité, la qualité et la bioactivité de l'huile de cameline.